c'est une tête ronde, ça. Le vlog, c'est pour le vlog, avec un V. Voilà. Le vlog. Le vlog. Comme la vogue, avec le L. Comme la vague, mais avec un L. Voilà. Comme le blog. Et avec un O, comme le blog. C'est ça. C'est fantastique. On a inventé un truc. Alors, en fait, on est là, au tournage de le prochain comité des reprises. Ça, c'est avec Oxmo Puccino. Alors, en fait, moi, Oxmo, j'écoute depuis que je suis gamine. Du coup, je suis un peu en train de chier dans mon froid. Et j'ai un peu envie de sauter partout. Silence, Pato. Vous plaisent mes toutes boîtes? Ouais. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver que j'ai pas encore vu. Trop cool d'être là. Alors, on va essayer de se placer un petit peu d'abord, comme ça va libérer de l'espace. Le canapé il est déjà pris, je suis désolé, on peut pas l'utiliser. Ce qu'il faut faire, c'est faire un petit groupe qui soit là, un petit groupe qui soit près de la porte, un petit groupe qui soit autour du canapé là-bas. Mon poteau, ça change. Mon poteau, tu sens ça? Mon poteau, les garçons qui sont des opérations. C'est quoi ce bordel? Y'a soirée, on n'invite pas les poteaux? 3, 4! Ah, mais en fait, on est en. Ouais, c'est un peu ça. Oh mon dieu! Du coup, j'ai un énorme nez, c'est horrible! Et quelle horreur! Je suis défigurée à cause de cette caméra. C'est pas œil de bœuf, œil de poisson? Œil de bœuf. Non, c'est pas ça qu'on dit. Fish. Alors j'ai fait une photo avec Oxmo Puccino. Là c'est moi. Là c'est toi. Et là c'est les sangs de Télé. Non, mais la photo, s'il te plaît. Oui, oui. Hello guys. Madeleine. Lundi, qu'est-ce que tu as ramené? Des madeleines. Et voilà. Et c'est tout pour moi. Alors j'ai fait mon stage d'observation de seconde. Ouais. Et qu'est-ce que t'as fait un petit peu et tout? Tu restes avec Anouk aujourd'hui. Oui. Avec moi. Et Mika, du coup. Je lui présente les valeurs de la rédaction. Les Mika valeurs. Un jour, Mika toujours. Ouais. Anouk, pas la rédaction. Anouk. C'est moi qui l'ai accueillie, c'est ma première stagiaire. Ok. T'es prête? On va faire un test. Ok. Salut Guillaume. Coucou. C'est nouveau aussi. Il va falloir que tu te présentes. Et d'ailleurs, je pense que je vais laisser Madeleine faire les présentations, comme ça elle pourra tenir la caméra. T'es là pour depuis quand? Jusqu'à quand? Alors, je suis là depuis lundi. Et quand, jusqu'à quand, je sais pas. Parce que je remplace Thomas, le dev. Et oui. Voilà. Pour faire quoi? Le dev à la place du dev. Et du coup, tu peux arriver. Attends. C'est tout calme. Alors là, c'est les toilettes. Super. Là, c'est la cuisine. Et la salle de bain. Et là, l'open space. Comment tu trouves notre salle de podcast? Elle est trop cool. La licorne, c'est la vie. Bon, alors on va s'installer parce qu'on va faire un live. Donc là, on est en train de programmer la première licorne émission de Madeleine, qui est en live dans environ 10 secondes. Est-ce que tu es prête, Madeleine? On se retrouve ici chez mademoiselle.com, juste avec mes invités. Live, unicorn. Nous en parlerons derrière un spot de pub. Oui, Jean-Michel, ici en direct de mademoiselle.com, nous avons le plus gros scoop jamais trouvé. En effet, dans la cuisine de Margot, hein, nous avons trouvé Ted et Licorne en train de manger du miel et du savon, en plus ultra dégraissant. Pourquoi t'es en colère, Margot? Parce que BuzzFeed a sorti un top dégoûté, en mode top du top, ça va, bof, dégueu, enfin bref, éloignez ça de moi. Et dans le top du top, ils ont mis Figolu. Des figolus qui rentrent chez lui en disant « Ah ouais, trop bien, je vais tellement la donner aujourd'hui, j'ai des figolus. » Non, personne dit ça. Et dans les bofs, ils ont mis les granolas. Et dans les éloignés ça de moi, ils ont mis les princes. Et ils ont mis les oreos. C'est n'importe quoi. Je pense que ces gens n'ont jamais goûté de leur vie. Et
qui veulent juste faire genre « Moi, je suis trop original, je mange pas d'Oreo !» Oh, désolé, no offense à la personne qui a fait ça, je veux dire, chacun ses goûts, moi, je juge pas la salité. Non, si, en fait, je juge. Qu'est-ce je juge qu'on fait totalement. De ça? Qu'est-ce Et qu'on fait de ça, Margot? Notre classement à nous, ok? Oui. Le classement des gens bien. Le classement des gens bien. Des gens qui ont du goût. Qui savent goûter. Voilà. Qui savent dire oui à la vie. Oui, qui à la vie. Qui savent y aller. C'est ça. Mal poli, là. Ah, il ruine le goûter pour tout le monde. Quoi, vous n'aimez pas ça, gâchez pas le plaisir des autres, hein. Non, ne goûtez pas les autres. Bon, je vais manger mes olives et mes tomates. Et en revenant, je vous fais un classement. Un vrai classement. Un vrai goûter. Un vrai truc bon. Au revoir. C'est quand la grosse tête? C'est samedi! Oui! On n'en peut plus. La musique avec une clé d'oreille. Je vais faire le beau gâteau de Margot. Oh, la tarte aux fraises. Tu as goûté ou pas, madame? Non, pas encore. Ça a l'air bon, t'inquiète. Oui. Alors, j'ai fait les pâtes. Vu comme ça, ça n'a pas l'air très original, mais. C'est la sauce qui est originale pour le coup. C'est de la crème de coco avec de l'estragon et du vin blanc. Oh, putain, et des tomates cerises. Margot ? T'as fait à manger pour tout le monde ? Ouais. Elles sont tellement bonnes tes spaghettis. Et ouais, c'est normal. Il y a de la crème de coco. Oh ! De l'estragon. Rendez la casserole ! T'as la meuf, elle a piqué la casserole. Elle est pas là normalement, elle. Elle a senti l'odeur de spaghettis. Quand je fais des pâtes. Ouais. Meilleur jour, je suis très contente. Qui a à manger ? Mélissa. Voilà. Dès qu'il y a mangé, Mélissa est sur le coup. Je vois pas de quoi tu parles. Fin de la matinée. C'est quoi ici? Bien, nous sommes en train de déballer les gobelets officiels de la soirée. Et on peut dire qu'on s'est pas foutu de notre gueule. Parce qu'ils sont... en dur. On n'en pense pas, Madeleine? C'est trop bien. Ah, c'est vrai, putain. Ils sont... C'est pas des gobelets en plastoc pourri. C'est ouf. D'accord. Et il y a quoi en plastoc. Vous pouvez réutiliser après. Il y a Stéphane aussi qui est là. Bon, il traîne un peu. Lui. Moi, je trouve qu'il aide pas trop à porter les cartons. Ça commence un peu à me saouler, en fait. T'as vu les gobelets? À 18h pour un nouveau vlog. Écoutez, là, ça a 15 ans. Pas bon. Coucou les bolosses, bienvenue dans le vlog. Salut mademoiselle.com, on est chez Instagram. Je viens de faire mon propre logo. On est avec les copines. Salut!